Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir partager votre monde Lego avec d'autres joueurs sur Fortnite. Donc là, vous pouvez voir que dans mes mondes partagés, j'ai accès à la map de SCM. Donc ça, c'est mon deuxième compte. Donc je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire ça et je vais vous expliquer aussi comment pouvoir rejoindre les mondes qui vous sont partagés. Alors, pour donner les clés d'accès à votre monde à d'autres joueurs, vous devez afficher votre carte. Ensuite, vous allez dans l'onglet joueurs et là, vous avez deux solutions. Soit la personne à qui vous voulez donner les clés est déjà dans votre partie. Donc si elle est déjà dans votre partie, vous pouvez tout simplement aller sur son pseudo et appuyer sur X pour partager la clé. Alors, il faut savoir que vous avez 7 clés maximum. Donc là, par exemple, je lui donne la clé, donc il dispose d'une clé. Donc ça veut dire que maintenant, si je quitte la partie, il va pouvoir rester dans la partie. Il peut faire tout ce qu'il veut dans la partie, ça va sauvegarder, il peut farmer, il peut détruire aussi. Donc faites attention à qui vous donnez l'accès, parce qu'il peut détruire complètement toute votre map si maintenant, c'est pas une personne avec des bonnes intentions. Alors maintenant, il y a une deuxième solution. Vous allez toujours dans l'option joueur et vous appuyez sur carré. Si par exemple le joueur en question n'est pas dans votre session, vous appuyez sur carré et là vous pouvez sélectionner dans votre liste d'amis des personnes à qui vous voulez faire confiance et donner votre clé. Donc je répète que vous pouvez donner votre clé à 7 personnes maximum. Donc maintenant je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir rejoindre un monde où vous avez la clé. Ah oui, et très important, si maintenant vous voulez révoquer une personne, vous pouvez tout simplement lui retirer sa clé d'accès en appuyant sur X. Vous avez libre arbitre pour faire tout ce que vous voulez. Alors comme vous pouvez le remarquer, mon deuxième compte est toujours connecté sur la map. Pourtant, moi j'ai quitté la map. Et là, je peux carrément quitter le groupe. Mon deuxième compte aura toujours accès à la map. Il pourra y aller quand il veut. Il peut y rester autant de temps qu'il veut parce qu'il a l'accès. Alors maintenant, si moi je veux rejoindre son monde, j'ai juste à appuyer sur flèche du haut pour choisir les mondes. Ensuite, je vais dans monde partagé et là, pareil, je peux rejoindre son monde pendant que lui, il est dans mon monde et pendant que moi, je vais dans son monde créer des choses. Donc voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Code créateur SCM.